Alléluia, bien-aimé, paix et joie du Christ. Je te souhaite un merveilleux jour, alléluia, et de surcroît un merveilleux mois. Nous sommes enfin au mois de décembre. Nous avons vécu cette année 2023 par la grâce et le secours de Dieu. Et ce matin, nous entrons dans ce dernier mois de l'année. Et la parole de Dieu déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Nous sommes toujours réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors en cette fin d'année, je crois, je déclare que le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Si tu as vu ses bontés au mois de janvier jusqu'au mois de novembre, c'est parce que tu vivras encore, plus encore, ses bontés en cette fin d'année. Alléluia. Alors Seigneur, nous accueillons prophétiquement ce mois, ici dans notre vie, ici dans notre nation. Et nous savons que tu nous as préparé de grandes choses dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors est-ce que quelqu'un peut rendre grâce avec moi? Je vais paraphraser le psaume 115 pour dire au Seigneur le merci de notre cœur, pour lui dire le merci de nos vies. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai promesse au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem, en ce début de mois de décembre, en cette fin d'année 2023, et nous nous projetons déjà dans l'année 2024. Alléluia. Alors rends grâce avec moi pour tous les bienfaits du Seigneur en cette année 2023. Pour tout ce qu'il a fait pour ta vie, pour tout ce qu'il a fait pour ta famille, pour tout ce qu'il a fait dans tes projets personnels, pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour tout ce qu'il a fait pour ta vie, ce que tu as vu, ce que tu n'as pas vu. Alors lève-toi et rends grâce avec moi, le Seigneur. Alléluia. Et Sainte Yala, Besbouneka, Sainte Yala. Bespuneka, mandi maywa,
Sankaré, ouais, son fébré, les peloyoua, Dieu, n'a mon koyelo, Dieu, n'a mon koyelo, Dieu, les peloyoua, Dieu, je voudrais te dire, oh Seigneur, merci pour cette fin d'année. Je voudrais te dire, oh Seigneur, merci. Je voudrais te dire, je voudrais te dire, toi mon papa, merci de m'avoir gardé en bonne santé. Merci à toi mon papa de m'avoir donné la providence de tous les jours. Allez, on y va, I just want to say, Baba, oh, oh, yeah. I just want to say, Baba, oh, oh, yeah. I just want to say. Tu m'as gardé, Seigneur, je te loue. Ah, la parole de Dieu déclare que ce sont les vivants qui louent le Seigneur. Alléluia. Ceux qui sont dans le séjour des morts, ils n'ont plus le temps de louer Dieu. Alors toi que le Seigneur a donné la vie, ouvre ta bouche et bénis le Seigneur en cette fin d'année. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors s'il te plaît, élève la voix et bénis ton Dieu. Et tu verras cette merveille avant le 31 décembre. Je te le dis, je le proclame au nom de Jésus. Alléluia. Je voudrais te dire, oh Seigneur, merci. Je voudrais te dire, toi mon Seigneur, merci. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour toute l'humanité. Seigneur, merci pour la paix dans notre nation. Merci également pour la paix que tu vas donner à toutes ces nations qui sont déchirées, à toutes ces nations en guerre. Nous croyons, Seigneur, en cette fin d'année, nous prions qu'ils vont recevoir la paix qui vient de toi. Alors Seigneur, nous te prions également, te disons merci pour toutes ces femmes, pour tous ces hommes du monde entier. Nous te disons merci pour l'Église. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce qui ne va pas encore dans notre vie. Et nous savons que tu es vivant et que tu te lèves en dernier. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, je te souhaite un merveilleux jour, mais surtout un merveilleux mois, mais également une merveilleuse fin d'année et un glorieux mois de décembre. Alléluia. Que le Seigneur bénisse le Sénégal. Que le Seigneur bénisse tout ce qu'il adore. Que le Seigneur bénisse ceux qui le craignent. Que le Seigneur bénisse les justes. Mais également que le Seigneur prenne pitié, prenne grâce, voilà, sur tous ceux qui ne le connaissent pas, sur tous ceux qui ne l'adorent pas. Et que son âme, que son cœur sacré maintenant les fasse grâce au nom de Jésus.
Seigneur, nous te disons merci. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.